Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 juillet, nous sommes lundi, on est arrivé depuis samedi, puis là, ben aujourd'hui, c'est une petite journée. On va dire ouais! Fait qu'aujourd'hui, c'est une petite journée triste tout nette, là. C'est comme ennuagé, en tout cas, il y a des nuages. Puis on trouvait que. Puis les enfants ont pas eu tout de soleil hier, fait qu'on a décidé de prendre une petite pause du soleil, si jamais soleil il y a aujourd'hui. Donc, et d'en profiter pour aller magasiner. Donc, on s'en va au Hamilton Mall. C'est sur le chemin de Philadelphie. C'est à peu près 45 minutes d'ici. Fait que là, on est sur la Garden State Parkway une fois de plus. Puis, on s'en va là-bas. Là-bas, il y a un Target, il y a un Kohl's. Fait qu'il y a plein d'affaires que j'aimais ça. J'aimerais trouver là-bas. Donc, on s'en va là-bas. C'est beaucoup pour me faire plaisir, moi, aujourd'hui. Je dois avouer. Moi, je vais m'acheter une montre. Puis Henrik, ben, il veut essayer de se trouver une montre. Fait que voilà. Donc peut-être qu'au Target, on fera un heureux élu. Puis c'est pas mal ça. On l'a enfin trouvé! Il a vraiment été dur à trouver. On était tellement découragés quand on était allé au centre d'achat avant. Puis on s'est fait mettre à la porte parce qu'il y a comme eu l'alarme qui a déclenché. Il fallait vider tout le centre d'achat. Fait qu'on va y retourner tantôt. Je suis présentement dans le Target. Sérieusement, je suis vraiment en train de faire des folies. Mon panier, il est... Puis j'ai pas terminé de faire les allées. Puis là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais ici. Sauf, ben, je vais vous montrer ça à un moment donné, là, mais sauf les bookbins, les genres de paniers pour livres. Là. Il en restait juste un de la couleur que j'aimais. Puis il n'avait pas du tout des aqua, mais il n'avait genre des verres fluo. Fait que là, je regarde voir s'il n'aurait pas. Ailleurs dans le magasin, je fais deux choses en même temps, c'est vraiment pas à mon avantage. Donc, j'ai trouvé quand même quelques paniers, mais pas pour les livres. Donc, vu qu'il en restait juste un, j'ai décidé de pas l'apporter parce que ça, c'est vraiment plaisant quand ils sont tous identiques pour qu'ils clipsent ensemble. Donc, j'ai décidé de pas les apporter. Mais j'ai trouvé plein d'autres belles affaires, là. Fait que je vais tout vous montrer ça un petit peu plus tard. Puis même, ça me fait un cœur de pas savoir si je suis ou non enseignante d'anglais l'année prochaine ou enseignante au régulier en français, maths, etc. Donc, il y a plein d'affaires que j'ai comme laissées sur les tablettes, mais que si j'avais été enseignante d'anglais, je l'aurais apporté. Mais bon, c'est la vie, hein. Donc ici, là, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a des belles couleurs. Puis il y a vraiment du stock. C'est vraiment plaisant. Fait que je vais vous redonner des nouvelles un petit peu plus tard. Oui. Très bonjour. Nous sommes au Red Lobster pour dîner. Ce matin, on a commencé au centre d'achat au Hamilton Mall. Puis là, c'est ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont comme fait une espèce d'alarme, il fallait tout sortir. Fait que finalement, on est parti au Target parce que j'avais demandé le chemin au Hamilton Mall à une vendeuse. Donc on est parti au Target, ça m'a coûté cher. Mais bon, c'est toutes des choses que j'avais spotées d'avance, fait que je regrette rien. Puis je vais tout vous montrer ça dans un haul très prochainement. En gros, j'ai acheté surtout des choses de prof, là. Les choses de prof qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça sera no surprise, là. Puis après ça, on est allé au Kohl's. Puis au Kohl's, ben, c'est vraiment pour avoir les toutous puis les livres de Mo Willems. Puis il restait pas tout. Là. Dans le fond, il manquait. Le lapin, il l'avait plus. Le Ducklin, il l'avait plus. Fait que dans le fond, j'ai trouvé le cochon, l'éléphant. Puis j'ai trouvé également le pigeon. Puis j'ai trouvé les livres, par exemple. Ça, je suis très contente. J'ai trouvé les livres. Fait que c'était tout 5 à chaque. Puis les toutous sont vraiment gros, sont vraiment cool, sont beaux. Puis bref, je suis vraiment contente. Fait que là, il était vraiment l'heure de manger. J'ai rendu 1h15. Fait qu'on est vraiment affamé. Fait que là, on est venu au Red Lobster. Fait que là, moi, dans le fond, je vais me trouver à manger un des repas pour enfants, des enfants, parce que Marianne, elle va prendre mes pâtes Alfredo. Puis moi, je vais manger son popcorn shrimp, dans le fond, des crevettes en petites boules, un peu comme du poulet popcorn. Puis Henrik va manger comme moi, du poulet, pas du poulet popcorn, mais des popcorn shrimp. Mon chum, lui, il a commandé une queue de mort avec... C'est quoi qu'il y avait à la queue de mort, chérie? Mon steak. Ah, puis c'est un steak qu'il y avait. Fait que c'est ça. Puis Charlie, ben, on va sortir les pipennes. J'ai jamais fait goûter des crevettes de sa vie. Fait que je vais sortir son épipène pour pas prendre de chance. Puis on va essayer ça. Fait qu'on va essayer ça. Et les petites boules, là, on va y en donner. Puis il va sûrement avoir quelques frites aussi. Fait que c'est pas mal ça. Je vais essayer de vous montrer les assiettes, mais qu'on les ait. Bonsoir tout le monde, on est revenu sur le boardwalk. Puis là, présentement, mon chum et les enfants sont en train de faire du go-kart. Tout le monde ça. Thank you.
s'est fait dire wouh wouh! Tiens, allez, regarde maman! Wouh wouh! C'est là ton capuchon? Avec le capuchon! Hein! Y arrives-tu? Y arrives-tu, Charlie? Ça s'appelle l'Himalaya.